Télégénie pral mette face à face plusieurs groupes élèves qui sortent dans plusieurs écoles dans la capitale là. C'est pral une opportunité pour élèves ça yo mettre en valeur compétences et intelligence et travail pour remporter grand prix Télégénie 2018 là. Nous avons une chance de passer quelques dans l'école qui est alignée pour la compétition. Particulièrement, nous avons arrivé à parler avec le directeur de l'école et capitaine équipe yo, qui t'a expliqué nous qui sa participation dans Télégénie représente pour yo et comment il a préparé yo pour une belle performance pendant toute la match. Collège Catherine Flon, c'est une quatre équipes qui est dans le groupe A pour Télégénie à Nessa. Pendant la visite, nous avons fait dans l'espace l'école pour rencontrer les joueurs. Quelques membres de l'équipe ont profité de parler avec nous sur la préparation qu'a faite pour permettre à l'équipe de bien représenter l'école. Là. Et puis, ils ont partagé avec nous toute opinion sur qui ça participer dans l'émission Télégénie représentée pour eux. L'idée de participer, c'est vraiment génial. On a consenti beaucoup de sacrifices. On a déjà participé à cette compétition en 2008. Et depuis lors, entre 2009 et 2010, malheureusement, à cause des événements, on n'a pas organisé cette compétition. Et cette année, en 2018, on a décidé de relancer cette compétition. Et heureusement, la télévision a pensé à nous. C'est avec grande joie, avec grand plaisir qu'on a reçu cette nouvelle. Et depuis lors, les enfants se sont adonnés à la tâche et n'arrêtent pas de travailler. En fait, le Collège Catherine Flon existe depuis bientôt 42 ans, avec la vision d'un grand homme, M. Willow Saint-Fort, depuis 1975. Et on n'a jamais fermé nos portes. Donc depuis lors, le Collège Catherine Flon a cessé de servir la communauté cafouroise et des zones avoisinantes. Donc on participe à cette compétition pour la deuxième fois. On s'attend à ce que les enfants ils ramènent le trophée à Carrefour. Lycée Pétion, une école qui a participé à l'émission Télégénie à Nessa, a déjà mis tout dernier touche pour assurer que l'équipe a bien préparé pour la compétition. Nous t'es passé visiter. On suit comment le joueur qui fait partie de l'équipe a pu expliquer nous tout entraînement qu'il a fait. Et comment est-ce d'esprit vous avez pour participer à la compétition à Nessa? C'est un plaisir et puis pour TNH avec nous et puis pour nous présenter l'équipe génie lycée Alexandre Pétion, probablement qui va représenter lycée Alexandre Pétion dans Télégénie que Télévision Nationale lui-même l'a organisé. Non pas c'est Jocelyn Pierre. Jocelyn Pierre, c'est élève philo A lycée Alexandre Pétion. Et c'est tout président central lycée A qui gagne 7 philo là-dedans. Mais probablement l'équipe ça qui va représenter lycée A dans Télégénie, il n'y a pas seulement élève philo là-dedans. Il y a élève seconde, il y a élève troisième là-dedans, il y a élève réto là-dedans. Donc ça n'était pas capable de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, probablement secondaire 4 également nous gagne qui va participer ou encore représenter lycée A valablement. Nous sentons nous en super forme pour que nous participions dans le concours ça. Et parce que depuis là que nous t'es peut avisé nous ça donc nous commençons le travail très bien dès que vous participez dans genre de concours ça là enrichi connaissance. C'est pas lancement Télégénie qui fait notre travail mais toute équipe joueur ça nous est là c'est des joueurs eux même qui habitués participer dans des concours déjà soit en dans lycée ou ailleurs qui compte déjà champion et c'est eux même qui constitué équipe qui va représenter lycée dans Télégénie. Évidemment, état d'esprit nous en forme, nous kembe, nous travaillons pour nous représenter lycée valablement. Pour le fait, c'est à partir de monde qui était déjà sélectionné, de monde qui connaît participer dans le concours déjà dans lycée, que nous-mêmes probablement direction qu'on organise déjà, ou de monde qui connaît représenter lycée dans l'autre concours déjà. Donc c'est deux monde ça que nous fait appel. Probablement on était déjà une équipe génie lycée, mais qui part à cause de concours qui n'ont pas vu faire, qui était censé dysfonctionnel. Mais c'est équipe ça nous censé remettre sous pied pour nous aller participer dans Télégénie. Donc sélection yo sélectionné yo c'est à partir de ça yo fait déjà gens yo qu'on habité ou présenter lycée c'est sous choix ça et que nous fait choix de dès que ou participer dans genre de concours ça là enrichi connaissance jeune qui pas participer yo et me dit yo pour que yo travaille plus pour que yo capable participer dans concours tout l'autre année qui va. Et puis, jeunes qui ont participé ensemble avec nous. Donc, je souhaite que vous fassiez de très bonnes préparations pour que vous affrontiez nous. Bien que nous-mêmes, nous étions très, très motivés là et que nous prêts pour que nous apportions compétition.
Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. La compétition éducative de Télégénie rentre chez vous. Déjà, une cordiale bienvenue est adressée à vous qui nous recevez et qui branchez déjà la TNH. Je vous souhaite donc une bonne besogne. Pour ce deuxième match, Télégénie accueille pour la compétition d'aujourd'hui le collège Catherine Flon et le lycée Alexandre Pétion. Mais avant même de passer dans la présentation des équipes et rentrer d'emblée dans le match du jour, je vous invite à vous lever pour l'hymne national. Voilà, merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons accueillir sur le plateau les deux équipes du jour. Collège Catherine Flon, vous allez bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Et de votre côté, lycée Alexandre Pétion? Nous allons divinement bien. Divinement bien. Eh bien, nous allons maintenant écouter les capitaines des deux équipes avant de faire place au tirage au sort pour déterminer qui sera l'équipe A et qui sera l'équipe B. D'abord, Collège Catherine Flon. Je vous dis bonsoir. Au nom du Collège Catherine Flon, je tiens d'abord à féliciter et à remercier le comité organisateur de Télégénie cette année. En effet, nous sommes une équipe issue du collège Catherine Flon, composée de ma gauche à ma droite, Notice Mike, Jean-Baptiste Ben-Nayel, Chéri Jagardi, Stanley Morisseau et enfin moi, le capitaine. Édouard Ricardo, c'est bien le capitaine, il ne s'est pas présenté. Et pour lycée Alexandre Pétion, le capitaine, un petit mot pour ce match. Bien, déjà, c'est que nous avons préparé le match et nous allons vraiment, vraiment, vraiment voir ce que nous pouvons faire pour que nous puissions gagner. C'est tout ce que nous pouvons dire. Et puis, nous disons, et puis, bonne chance à l'équipe quand même si c'est une équipe perdante. Mesdames et messieurs, applaudissez encore les deux équipes du jour, collège Catherine Flon et lycée Alexandre Pétion. Et maintenant, qui sera l'équipe A et l'équipe B? Les deux capitaines vont me rejoindre par devant. Voilà. Donc, le tirage au sort a donné le résultat suivant. Nous avons l'équipe, le collège Catherine Flon pour équipe A et le lycée Alexandre Pétion, équipe B. On commence avec les questions de sigle avec l'équipe A. Donnez la définition du sigle suivant. IDEA. IDEA.
International Drug Enforcement Administration. Ce n'est pas la bonne réponse. On continue avec l'équipe B. Votre question de sigle. Donnez la définition du sigle suivant. OCDE. Malheureusement, le temps est écoulé. Est-ce que l'équipe A veut répliquer? Organisation pour la coopération et le développement économique. Et c'est bien la bonne réponse. Passons maintenant à la catégorie science. Quand le circuit est en dérivation, que dit la loi ou la formule des intensités pour trois branches? Équipe A. Elle est additionnelle. Elle est additionnelle. Quand le circuit est en dérivation, on dit que l'intensité est additionnelle. Je vous ai demandé la formule. Équipe B. Quand deux condensateurs sont en parallèle, quelle formule doit-on utiliser pour calculer CT? CT, un condensateur total est égal à C1 plus C2 plus C3. Et c'est bien la bonne réponse. CT égale à C1 plus C2 plus C3. La formule de tout à l'heure pour la question 1, c'était IT égale I1 plus I2 plus I3. Répondez par vrai ou faux. Pour accélérer l'estérification, on peut augmenter la température. Cela permet aussi d'augmenter le rendement. Vrai. C'était une question à réponse unique. C'est bien faux. Équipe B, répondez par vrai ou faux. Pour accélérer la transformation entre l'eau oxygénée et l'ion iodure, on augmente la concentration initiale en eau oxygénée. C'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est la bonne réponse pour lycée Alexandre Pétion. Et on continue maintenant en économie et droit, qui est également sur 30 points. On est toujours dans la catégorie des sciences. Équipe A. Le chien de M. Jean-Louis a mordu le facteur lors de son passage. Quel est le type de fait générateur de responsabilité civile dont il est question? Petit A, responsabilité du fait personnel. Petit B, responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Petit C, responsabilité du fait d'autrui. B. Petit B, c'est la bonne réponse. Responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Équipe B. Le chien de M. Paul a mordu le facteur lors de son passage. Quel est le type de dommage et le mode de réparation dont il est question? Petit A. Dommage corporel, réparation par équivalent. Dommage moral, réparation par équivalent. Dommage corporel, réparation en nature. Dommage moral, réparation en nature. Pouvez-vous reprendre? Le minuteur est déjà lancé. Le petit B. Le petit C. Ce n'est ni petit B ni petit C. Et c'est également une question à réponse unique. C'est bien le petit A. Dommage corporel, réparation par équivalent. Eh bien, passons maintenant à la catégorie de l'actualité. Actualité nationale, tout d'abord. Née à Port-au-Prince, l'écrivaine haïtiano-américaine est auteure de plusieurs romans. On peut citer parmi ses œuvres Le cri de l'oiseau rouge, Cric-crac, avant d'être sémigrée aux États-Unis à l'âge de 12 ans. Invitée d'honneur de Livre en folie en 2011, elle a reçu plusieurs distinctions et prix internationaux, dont le dernier en date est le prix international de littérature de Nordsted,
communément appelé prix Nobel de la littérature aux États-Unis. De qui parle-t-on? Edwidge Dantica. Edwidge Dantica, c'est la bonne réponse pour l'équipe A. Équipe B, lycée Alexandre Pétion. Le réalisateur haïtien Raoul Peck vient de remporter le prix du meilleur documentaire dans le cadre de la 71e soirée des BAFTA Awards 2018 avec son film de 93 minutes intitulé I'm not your Negro. Je ne suis pas votre nègre. Dans quelle ville a eu lieu la cérémonie de la remise du prix? Paris. C'est à Paris? Non. C'est à Houston? Non plus. Washington? Non plus. L'ancien journaliste de 55 ans, élu président de Catalogne en janvier 2016, a été destitué par Madrid le 27 octobre, quelques heures après une déclaration d'indépendance de la République catalane votée au Parlement régional. Il a renoncé jeudi 1er mars à briguer la présidence catalane, assurant cependant qu'il défendrait la cause de sa République partout, y compris en saisissant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. À qui fait-on référence? On continue et je vous donne la réponse, c'est bien Carles Puigdemont. Maintenant, question pour équipe B. Un puissant séisme a secoué vendredi 16 février au soir, Mexico, faisant osciller des bâtiments sans provoquer de dégâts majeurs dans l'immédiat. Cinq mois avant, un violent tremblement de terre avait tué 369 personnes dans la capitale. Selon l'USGS, l'épicentre du séisme du 16 février a été localisé au nord-est de Pinotepa de Don Luis, dans l'état d'Oaxaca, à environ 600 km au sud de Mexico. Donnez la magnitude de ce dernier tremblement de terre sur l'échelle de Richter, selon l'Institut américain de géophysique. 6,5. Non. 7,2. 7,2, c'est bien la bonne réponse pour lycée Alexandre Pétion. Maintenant, on est à la catégorie sport. Collège Catherine Flon. Il est né le 23 janvier 1981. C'est un footballeur international haïtien. Il mesure 1m80 et a presque toujours évolué au poste de défenseur central. Passé par l'Argentine, il a joué au CA Peñarol en 2004 et 2005, où il est élu meilleur défenseur du championnat uruguayen. En 2005, il est recruté par le FC Nantes en France, où il est resté 6 saisons. International haïtien, son club du FC Nantes ne lui a pas permis de participer à la Digicel. Ne lui a pas permis de participer à la Digicel Cup de 2007, que Haïti a néanmoins remporté, mais participe au Gold Cup 2002, 2007 et 2013. Donnez le nom complet de ce footballeur haïtien. Jean-Jacques Pierre. Jean-Jacques Pierre, c'est bien la bonne réponse pour Catherine Fouin. Équipe B, lycée Alexandre Pétion. Cet international haïtien est né le 6 avril 1972. C'est un footballeur haïtien qui a évolué à la position de défenseur pour le Don Bosco FC. Il a joué une grande partie de sa carrière au Don Bosco FC, sauf en 2001 et 2002, où il a joué en première division trinidadienne avec le Joux Public FC. Capitaine de l'équipe d'Haïti de football, il a commencé sa carrière internationale en juillet 1998 lors d'un match de la Coupe caribéenne contre les Antilles néerlandaises. Il a été membre de l'équipe lors de la phase finale de Gold Cup de 2002 et 2007. Donnez le nom complet de ce footballeur. Bruni Pierre Richard. Bruni Pierre Richard, c'est bien la bonne réponse. Et maintenant, on va sortir de l'actualité pour rentrer dans la catégorie histoire.
Histoire, question sur 50 points. Équipe A, quel était le premier président haïtien élu au suffrage universel? C'est Monsieur Paul-Eugène Magloire. Paul-Eugène Magloire, c'est bien la bonne réponse. 50 bons points pour le collège Catherine Flon. Équipe B, lycée Alexandre Pétion. Quelle était la période de gouvernance du président Paul-Eugène Magloire? C'est 1950 à 1956. 1950 à 1956, c'est bien la bonne réponse. Et maintenant, on passe à la catégorie géographie. Toujours sur 50 points. Équipe A, collège Catherine Flon. Plaisance se trouve dans quel département? Dans le département du Nord. Dans le département du Nord, c'est la bonne réponse. Équipe B, lycée Alexandre Pétion. La ravine à Couleuvre se trouve dans quel département? Département de l'Ouest. Non. L'Artibonite. L'Artibonite, c'est la bonne réponse pour lycée Alexandre Pétion. Pour assurer sécurité ou pour faciliter les transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Pour lui assurer valise ou paquet matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou dû fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelque instrument qui est interdit en abacio. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui l'a pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque qui passe l'ordre, aucun employé la banque par gain doit utiliser téléphone dans moment service yo. Mais la plus bonne façon de comporter pendant le déroulement d'opération. Vous devez assurer que personne n'a pas d'information sur la fiche remplie pour la transaction. Personne n'a pas de chercher qu'on ait information sur la transaction l'autre a fait. En d'abord, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le téléphone ni pour parler. Hello. Ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité yo, et pour faciliter la banque, by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message sa, rentré dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, Sénat République la, dans tête collée avec Télévision Nationale d'Haïti. Voilà, on est tous là. Et je rappelle que nous sommes à la deuxième partie de ce match et nous recevons collège Catherine Flon qui est l'équipe A et le lycée Alexandre Pétion qui est l'équipe B. On poursuit avec la catégorie capital et monnaie. Équipe A. Collège Catherine Flon, quelles sont la monnaie et la capitale du Paraguay? Asunción, Guarani. Asunción, Guarani, c'est bien la bonne réponse pour Catherine Flon. Équipe B, lycée Alexandre Pétion, quelles sont la monnaie et la capitale de la Mozambique? La capitale, c'est Maputo. La monnaie, c'est franc CFA. Non. Rouble. Non. Yen. C'est fini, le temps est écoulé. Le lycée Alexandre Pétion a répondu à une partie de la question. La capitale, est-ce que
Collège Catherine Flon veut essayer pour la partie monnaie. C'est bien médical. C'est bien médical. Donc, pour cette catégorie de questions, on note que lycée Pétion, qui a répondu à une partie de la question, a quand même obtenu 20 points. Maintenant, la catégorie invention. Équipe A, qui a inventé le revolver? Samuel Côte. Samuel Côte, c'est bien la bonne réponse pour Collège Catherine Flon. Équipe B, lycée Alexandre Pétion, qui a inventé le télégraphe électrique? Thomas Edison? Non. Le temps est écoulé. Est-ce que l'équipe A veut répliquer? Claude Chap. C'est? Claude Chap. Claude Chap, c'est pas la bonne réponse. Chap. Chap, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Le télégraphe électrique a été inventé par Samuel Morse. Samuel Morse, Samuel Côte. Serait-il frère, ces deux-là? Je ne pense pas, en tout cas, le revolver et le télégraphe électrique, ils n'ont pas vraiment de rapport entre eux. Passons maintenant à la catégorie art et culture. Art et culture pour l'équipe A. Raoul Peck est réalisateur, scénariste et producteur de cinéma haïtien. Nominé en janvier 2017 pour l'Oscar du meilleur documentaire pour I'm Not Your Negro, il a notamment réalisé Lumumba, un film inspiré de l'histoire de Patrice Lumumba et son rôle dans l'indépendance du Congo. Quel poste politique Raoul Peck a-t-il occupé en Haïti de 1995 à 1997? Ministre de la Culture. Ministre de? De la Culture. Ministre de la Culture, c'est bien la bonne réponse. Et on poursuit avec l'équipe B, lycée Alexandre Pétion. Joseph-Emmanuel Charlemagne est auteur, compositeur, interprète engagé et homme politique haïtien. Né à Port-au-Prince, en Haïti, en 1948 et mort le 10 décembre 2017. Exilé pendant une partie des années de 1980 et 1990, il a occupé une fonction politique en Haïti de 1995 à 1999. La mairie de Port-au-Prince. S'agit-il? Il était maire de Port-au-Prince, de la ville de Port-au-Prince. Il était maire de la maire de Port-au-Prince. C'est bien la bonne réponse pour Lycée Pétion. Et maintenant, faisons place à la catégorie technologie. Équipe A, quelle est la définition du sigle RAM dans le langage informatique? Réseau automatique métropolitain. Est écoulé. Est-ce que l'équipe B veut répliquer? Non, madame. Non, et je vous donne la réponse. Random Access Memory. L'équipe B, c'est bien votre tour. Quelle est la définition du sigle GPS qui est un système de géolocalisation mondiale? Géo pour. Les 10 secondes se sont écoulées. Est-ce que l'équipe A veut faire une réplique? Global Positioning System. Global Positioning System. C'est bien la bonne réponse. Et maintenant, faisons place à la catégorie des questions individuelles. Cinq questions pour 5 joueurs de chaque équipe à raison de 50 points par question.
Pièce de théâtre construite autour d'une conversation entre deux Haïtiens, Polydor et Pyram, vivant dans les sous-sols d'un édifice à New York. Polydor est un intellectuel et Pyram, un rude travailleur, quoique manquant les rodages d'une éducation systématique. À travers l'échange agrémenté de moments délirants, ils affrontent chacun à sa manière les difficultés de l'exil. L'auteur de la pièce s'appelle bien Franck-Étienne. Donnez-en le titre. L'oiseau si je peine. Le temps est écoulé. Est-ce que l'équipe B a une réplique? Non. Et je vous donne la réponse, c'est bien. Pelle les têtes, mais c'est moi qui donne la réponse, c'est pas vous. Vous avez raté la question. Équipe B, question individuelle. Ce fameux poème est La Complainte de Tipierre, un soir abandonné par le marabout Choukoun, laquelle lui préfère un blanc. Le poème s'appelle évidemment Choukoun. Donnez le nom de son auteur. Oswald Durand. Oswald Durand, c'est bien la bonne réponse. Ce groupe musical qui revient d'une période carnavalesque assez intéressante vient de sortir un tout nouveau single baptisé « Moins pour comme ». Le titre est accompagné d'un vidéoclip qui a été vu jusqu'au 1er mars dernier plus de 200 000 fois sur YouTube. De quel ensemble musical parle-t-on? Sivaïs. Non. Les secondes se sont écoulées. Est-ce que l'équipe B a la réponse? La réponse est bien Crayola. Donc, l'équipe B a bien gagné la réponse. Son nouveau son a séduit la presse internationale. Le 20 février dernier, le prestigieux magazine American Forbes a écrit à son propos. La musique de Michael Brun vous fera oublier toutes les choses négatives que vous avez entendues d'Haïti. Le DJ haïtien Michael Brun s'est produit dans les plus grands festivals de musique et ses chansons ont été écoutées en streaming des millions de fois. Donnez le titre de sa dernière réalisation. Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que l'équipe A a une réplique? Non. Et vous voulez que je vous donne la réponse? Oui. C'est bien. Bayo. Et maintenant, pour les citations, équipe A, qui répond, s'il vous plaît? Chérie Jean Gordy. Chérie Jean Gordy, de quel auteur français est cette citation? La méfiance engendre la méfiance. Jean-Baptiste Poquelin du Molière. Non. Jean-Jacques Rousseau. Non. Le temps est écoulé. Est-ce que l'équipe B veut répliquer? Non. La réponse est bien gardée. Équipe B, votre tour pour les citations. De quel auteur français est cette citation? La bêtise insiste toujours. Non, répondez au micro. Il n'a pas répondu à la question, malheureusement. Maintenant, équipe A pour la philosophie. Question de philosophie. Qui a dit « L'homme est condamné à être libre » Petit a, Sartre. Petit b, Kant. Petit c, Épictète. Petit a. Petit a, c'est bien. Sartre, c'est la bonne réponse. Toujours question de philosophie, cette fois-ci pour l'équipe B. Qui a dit « L'homme se croit libre parce qu'il est conscient de ses actions, mais ignorant des causes par lesquelles il est déterminé » Petit a, Sartre. Petit b, Spinoza. Petit c, Kant. Spinoza.
Spinoza, c'est bien la bonne réponse. Calcul mental. Quel est le résultat de l'opération suivante? 4 multiplié par 103 multiplié par 25 multiplié par 10 moins 5 est égal à? Répétez-vous moi. 4 multiplié par 103 multiplié par 25 multiplié par 10 moins 5 est égal à? 965? Non. 0? Non plus. Le temps est écoulé. Est-ce que l'équipe B veut répondre? 1? 1, c'est bien la bonne réponse. Merci Alexandre Petit. L'équipe B maintenant pour sa propre question. Quel est le résultat de l'opération suivante? Moins 2,6 sur 39 divisé par moins 5 sur 6. Non. Est-ce que l'équipe A a une réplique? Non plus. La réponse est bien 2 sur 25. Maintenant, les questions à risque. Question à risque. Si vous donnez la bonne réponse, vous avez 60 points. Si vous donnez la mauvaise réponse, vous perdez 60 points. Question à réponse unique, vous êtes prêts? Équipe A. Un avion s'écrase à la frontière entre la Guadeloupe et la Martinique. De quel côté de la frontière doit-on enterrer les morts? Un avion s'écrase à la frontière entre la Guadeloupe et la Martinique. De quel côté de la frontière doit-on enterrer les morts? Donc, s'il vous plaît. On ne trouve pas les morts. On n'a pas de frontière. On ne trouve pas les morts parce qu'il n'y a pas de frontière. Il n'existe pas de frontière. On ne trouve pas les morts parce qu'il n'y a pas de frontière. Oui. Question à risque pour l'équipe B. Un avion s'écrase à la frontière franco-espagnole. De quel côté de la frontière doit-on enterrer les rescapés? Un avion s'écrase à la frontière franco-espagnole. De quel côté de la frontière doit-on enterrer les rescapés? On n'aura pas les morts puisque ce sont des rescapés. Il n'y aura pas de morts puisque ce sont des rescapés. On ne peut pas enterrer les rescapés. C'est bien la bonne réponse. 60 bons points pour l'équipe B. Et vous avez bien répondu à toutes les questions. J'ai plus de questions en main, ce qui indique également que c'est la fin du match. Mais on va prendre une courte pause. On va retourner avec le résultat de ce match. Fêtez ce moment nous tous très bien partagés. C'est le moment pour nous amuser. Pas oublier, nous toute responsable décision n'a prend pendant n'a fêté. Si on a boué, pas conduit. Si on a conduit, pas boué. On ne suspend mauvais habitude ça y est, n'a conduit. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo gagnent habitude marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chat avec des amis, sans pas avoir aucune attention avec monde qui dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour avec mal qui t'a arrivé dans la vie.
Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Les deux équipes pour ce match, c'était bien le collège Catherine Flon et le lycée Alexandre Pétion. Le collège Catherine Flon était représenté par Eduardo Ricardo, Chéri Jean Gardi, Jean-Baptiste Bennaël, Mauricio Stanley, Notis Mike, Belfort Emmanuel et Pierre Wood Olivier. Et pour le lycée Alexandre Pétion, on avait Pierre Jocelyn, Roi Zéphir Wissner, Alliance Job, Jocelyn Wendy, Eliassin Wittner, Petit frère Wenzor et Blanc Géraldo. Et après avoir compilé les points, le lycée Alexandre Pétion a totalisé 455 points et le collège Catherine Flon a totalisé 465 points. De ce deuxième match. Merci à vous qui avez branché la TNH et à vous qui l'avez suivi. Si vous voulez bien savoir quelles sont les autres équipes pour le prochain match, restez branchés, la Télévision Nationale d'Haïti.